Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas AliExpress, pour une vidéo sur des produits que j'ai achetés courant début juin. Donc chez un magasin Maxilo. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas sur YouTube, je n'en ai pas vu. Je ne vois qu'en ce moment beaucoup de haul action, de haul noz. Malheureusement, moi dans mon département, il n'y en a pas. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une action à 45 minutes de chez moi. Donc, je pense que courant mois de juillet, lorsque ma fille sera en vacances, je vais aller faire un tour chez Action parce que j'ai vu pas mal de vidéos, ne serait-ce que pour les stylos, pour la rentrée des classes. Pour ma fille, je pense que je vais aller faire un tour là-bas. Donc, peut-être qu'au courant du mois d'août, il y aura peut-être un haul, mon premier haul Action. Voilà, donc moi, en tout cas, je ne vais pas faire de haul Action. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul Maxilo, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est à peu près le même système que Action, par contre c'est beaucoup plus petit. Il rentre des articles de marque à petit prix, ce sont des prix qui sont cassés, c'est-à-dire que ce sont des prix, ce sont des produits, excusez-moi, qui reprennent de certaines boutiques, de certains magasins qui ont fermé. Donc eux reprendre ces articles et les revendre à bas prix. Ils font aussi de l'alimentaire. Donc tout ce qui est alimentaire, c'est tous des produits que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre. Vous savez qu'en grande surface, il y a une date butoir de vente. Et donc à cette date butoir, tous les articles qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'ils en font. En tout cas, chez Maxilo, ils récupèrent ces articles de magasin dont ce sont des dates restreintes à petit prix et que vous pouvez encore consommer. Voilà, j'en ai consommé et je n'ai pas été malade. Donc voilà. Et en deuxième partie, je vais donc vous montrer deux bons petits plans. Donc je les cale dans cette vidéo. C'est pas bien que je fasse une vidéo spéciale bon petit plan. Donc voilà, c'est parti, je pense tout vous expliquer. Si vous aussi, vous avez chez vous un magasin Maxilo, mettez-moi-le en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et pourtant, ça fait 5 ans qu'il était ouvert. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur Maxilo. Et c'est vrai que quand je reçois les prospectus, dès que je vois qu'il y a des petits articles qui me plaisent, il faut y aller de suite parce que ça part vraiment rapidement. Moi j'y suis allée hier et j'avais vu certains articles. On est allé à 16h avec ma fille. Il n'y avait pratiquement plus rien. Voilà. Après, il faut aimer fouiller. C'est dans des gros bacs en métal. Il faut aimer fouiller. Il faut aimer regarder. Moi, c'est pas trop mon trip, mais bon, je me dis, vu les prix, voilà, on fait quelques petits efforts. Donc j'ai mon ticket de caisse ici. Et donc, je vais commencer, je ne vais pas chercher, je vais commencer par donc une figurine, donc Pet Shop, voilà. Parce que dans ce magasin, ils font les figurines Pet Shop. Et ces figurines Pet Shop coûtent un magasin de jouets, un Pet Shop comme ça coûte entre 6 et 9 euros. Et là, la figurine Pet Shop, on l'a payée 2,50 euros. Donc, c'est peut-être pas les nouvelles collections de Pet Shop, mais pour 2,50 €, ça vaut plutôt le coup. Voilà, donc elle était très contente, elle a eu son Pet Shop. Donc, quand on va à Maxilo, plus ou moins, elle est contente puisque elle regarde s'ils ont mis plus. Ensuite, je me suis acheté, donc, on va le faire comme ça. Je me suis acheté, donc, deux coussins. Et voilà, le prix était juste phénoménal, c'est pour ça que je me suis déplacée. Donc 1,99 €. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est Monsieur Patate. Donc je vais l'ouvrir. Alors Monsieur Patate, c'est peut-être pas mon kiff, mais vous savez très bien que vous pouvez acheter des thés pour les coussins et que vous pouvez les recustomiser de la façon que vous souhaitez. Et pour 1,99 €, je vais vous dire, c'est la bonne blague. Voilà comment il est. Et il n'est pas moche, quoi. Voilà, 1,99 €. Donc ça ira très bien sur mon canapé. Alors il est comme ça. Il ne fait pas laid, hein, c'est pas laid. Il y en avait plusieurs coloris, mais moi, vraiment, c'était celui-ci que je voulais.
Et j'y suis allée à 16h, il n'en restait que deux. Deux coussins, monsieur patate. Il y en avait plusieurs coloris, mais moi vraiment c'était le gris que je voulais. Et donc il n'en restait que deux. Donc bien sûr, je me suis appelée à les acheter parce que voilà, 1,99€, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris, et ça vaut vraiment le coup. Donc, ce sont des couches. Et oui, et ces couches-ci coûtent la peau des fesses en grande surface. Les 68 couches, je les ai regardées ce matin à Carrefour. Les 68 couches coûtent 18 euros. Ouais, 18 ou 22 euros. Les 68 couches coûtent 18 ou 22 euros. Cette marque-ci, c'est-à-dire cette couleur-ci, le bleu. Donc, ce sont les Baby Dry. C'est les dernières que vous voyez en publicité. Et moi, je les ai payées 9,90 €. Alors, je peux vous dire que j'en ai pris un paquet parce que je ne savais plus si ça valait le coup ou pas. Je me suis dit, oui, ça vaut le coup. Il me semble que je les ai vus beaucoup plus cher. Puisque vous savez que pour les bébés, sur la marque Pampers, faites bien attention parce que vous avez plusieurs couleurs et que vous payez la couleur de la couche. Oui, s'il te plaît, tu payes la couleur de la couche. C'est-à-dire que moi, ma fille, quand elle est née, elle portait le jaune. Donc jusqu'à des prématurés, jusqu'à 1 ou 2 mois, ça va jusqu'à, je crois, 3 kilos. Après, elle est passée, on est toujours resté dans les jaunes, je crois, on est toujours passé par les jaunes. Ensuite, elle a commencé donc à prendre la taille 3. Et la taille 3, moi au début, je prenais, j'avais pas fait attention en fait qu'il y avait plusieurs couleurs de couches quoi. Pourtant, je suis une maman qui a une enfant de 7 ans, mais il y a des choses qu'on ne se rappelle plus. Il y a tellement de choses qui sortent. Et en fait, je me suis dit, tu payes la couleur de la couche. Donc moi, maintenant, c'est simple, elle a des couches Pampers, mais c'est les oranges. C'est dommage, j'aurais dû les prendre pour vous montrer. Donc c'est les oranges. Faites bien attention, chez Carrefour, les 90 couches, donc taille 3 ou taille 4, même taille 5, les 90 couches, la couleur orange, j'irai trouver une petite photo, je mettrai sur le côté, comme je fais d'habitude. 18 euros les 90 couches. Alors que la couleur jaune, violette et vert, comme ça, donc les Baby Dry, il y en a d'autres, hein, d'autres trucs. Les 68 couches, je les ai regardées ce matin à Carrefour. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, je crois que c'était 18 ou 22 euros. Là, je les ai payées 9,90 €. Alors, je ne sais pas s'il y a une date, hein, sur les couches, je ne sais pas. C'est des fins de série, c'est sûrement une boutique, un magasin qui a dû fermer. Et voilà, 9,90 €, je peux vous dire que j'aurais dû même en prendre deux parce que quand j'ai vu le prix ce matin à Carrefour, je me suis dit, t'as été idiote. Mais il en restait plein, donc 9,95 €. 95, excusez-moi. Donc après, ensuite, j'ai pris, j'aurais dû me le monter en fait, maintenant je vais me le monter puisqu'il n'y a plus les coussins, il n'y a plus les couches. Faire un peu de bruit, excusez-moi. Donc ensuite j'ai pris donc je regarde de l'eau de colle comme ceci, 0,75 centimes. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est la Gif, Gifix, 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 voilà, Gifix. Voilà, 0,75 de l'eau de colle pour coller à la maison, ça sera très bien. Ensuite, j'ai pris une pochette. Alors, c'est une pochette billet voyage, mais quand je l'ai vue, elle se présente comme ceci. 1,89 €. Oh, je suis bête, il y a le prix. Il y avait le prix dessus. 1,89 €. Donc, la pochette, elle se présente comme ceci. Voilà, donc à l'origine. C'est une pochette pour les billets de voyage. Voilà. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour les billets de voyage. Je vais m'en servir pour mettre
mon carnet de famille. Voilà, ça présente comme ceci. Carnet de famille, passeport, et je vais mettre quand j'ai mes billets, des billets, voilà, au lieu de les mettre dans mon autre portefeuille, je le mettrai ici. Voilà, super joli. 1,98€. Voilà, très très joli. Ça fait un peu le prix des articles chez AliExpress, quoi. Mais par contre, voilà, il n'y a pas énormément de choix. Ensuite, elle a pris, ma fille, des cookies. Des cookies comme ça, elle les avait déjà achetés, elle les avait adorés. Et donc, on les a payés 0,75 centimes. Et donc, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, la date, c'est jusqu'au 31/12/2016. Voilà. Voilà. Et ils sont super bons. Voilà. Donc, quand elle les a vus, elle m'a dit, maman, on peut en reprendre un paquet. J'ai dit, bon, allez, vas-y. Ensuite, j'ai pris du café. Voilà. Parce qu'on achète du café en dosette comme ceci de la marque L'Or du Café. Mais il est dégueulasse. Je vais boire un petit coup. Il est dégueu. Voilà. Mon mari prend le café L'Or du Café en dosette comme ça. Moi, je bois beaucoup plus de thé. Et certaines capsules, elles sont mal trouées. Et en fait, ce qui fait que le café, eh ben, il ne se dissout pas quand on fait le café. Et des fois, il est dégueulasse. Donc, j'ai essayé de prendre cette marque de café là-bas. Et donc, 1,35 €. Mais par contre, il n'y a que 4 capsules. Ça fait par contre un petit peu cher. Voilà. J'avais pas fait attention, je pensais que le 0,4 c'était la puissance du café, et en fait, non, c'est qu'il y a que 4 capsules. Ça me paraît un peu cher quand même pour 4 capsules de café, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, j'ai pas fait attention, et je pense qu'il y a 4 capsules dedans. Peut-être qu'il y en a plus. On va ouvrir. Je vais ouvrir parce que ça me semble quand même très très cher. Pour 4 capsules de café, 1,35 €. Non, 10 capsules. Ah, j'ai eu peur. 10 capsules. Ah, voilà, donc ça c'est 4. C'est voilà, c'est l'intensité du café. Non, bah c'est bon, ça va. Donc en fait, c'est ma fille, elle m'a fait du thé. Elle m'a dit, maman, t'es sûre qu'il y en a 10 quand on est rentré? Elle me dit, mais non, il y en a 4. Et après, quand j'ai vu le petit paquet, j'ai dit, ah ouais, peut-être qu'il n'y en a que 4. Et non, en fait, il y en a 10, donc du coup, c'est pas cher. Donc les 10 capsules, la marque Viaggio. Alors Viaggio, Viajo, je ne sais pas. Voilà, donc intensité 4. Donc j'ai pris intensité médium parce qu'il aime bien un peu le café, un peu fort mon mari. À voir si celui-là, il est meilleur. Parce que L'Or du Café, ces capsules qu'on met dans l'expresso, eh bien... Des capsules, elles sont mal faites, et quand on met le café, ben, ça fait plein de petits points noirs. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris une perche. Voilà. Donc une perche Wi-Fi. Voilà, donc je voulais m'en acheter une chez AliExpress. Mais bon, voilà, comme j'ai vu qu'ils faisaient les coussins, ils faisaient les perches, parce que je m'en vais en vacances au mois de juillet. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de faire des photos en selfie. Voilà, donc j'essaye de m'y mettre. Hein. Je ne suis pas vieille, mais voilà, tout ce qui est technologie, moi, il faut que je me mette à la page. Souvent, mes soeurs se foutent de moi, mais bon, c'est pas grave. Je l'assume totalement. Et voilà. Donc, pourquoi c'est à l'envers? À l'origine, c'est comme ça. Donc, voilà, donc c'est un selfie. Et voilà, donc vous mettez votre téléphone. Voilà. Donc je l'ai pris de couleur rose, tout simplement. Il se déplie. Voilà. Tac. Vous pliez et chting, vous faites une petite photo. Voilà. Donc pas cher. Voilà. 1,99 €. Et il y a écrit. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là? Made. China. Voilà. Voilà. N'allez pas plus loin. Hein. Ils l'ont pris chez les Chinois.
Et chez les Chinois, vous le payez peut-être 80 centimes. Et là, ils l'ont revendu 1,99€. Ensuite, par contre, il y a deux articles à m'avoir compté, je pense. Ensuite, j'ai acheté donc un casque pour ma fille parce que elle écoute la musique sur la tablette, une tablette qui est à nous et qu'elle prend souvent. Donc, je lui ai pris des écouteurs comme ceci. Alors, les écouteurs à l'origine, ils étaient à 9 euros. Voilà, 9,90€. Et là, on les a payés 1,50€. Donc, il y a des petites fleurs comme ceci. Et le carton, il y a écrit manège à 3. Voilà, super sympa. Blanc, voilà, elle peut étirer la tête. Hein. Je les ai testés hier avec elle. Super, il marche super bien. Voilà, le câble est assez long. Voilà. Et voilà. Donc, il y avait d'autres couleurs. Il y avait noir avec les insignes USA, mais elle voulait les fleurs. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite. Ah, on les a comptés. Ensuite, quatre souligneurs. On a acheté des souligneurs comme ceci. Voilà. Parce que je sais qu'il va lui en falloir des souligneurs. Donc, orange, rose, vert et bleu. 1,35€. Voilà. Et ils sont à double tête. Voilà. Ça, je n'ai pas vu. Voilà. Ils sont à double tête. C'est pas mal, ça. Double tête. Donc là, elle a toujours jaune en haut. Et ensuite, elle a orange, rose, vert et bleu. Voilà. Sympa. J'avais pas vu. J'avais pas fait attention, en fait. Et ensuite, pour finir, chez Maxilo, je me suis acheté donc un stylo comme ceci pour moi, pour faire mes papiers. Par contre, c'est du stylo gel rouge. C'est pas grave, moi, pour faire mes papiers, mes commandes en rouge, je l'ai payé 0,49 centimes. Donc, vous voyez, hein, c'est pas cher du tout, du tout, du tout. Et pour tout ça, et j'en ai eu pour la somme de 26,10 €. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, quelques petits articles. 26,10 €. Je bois parce qu'autrement mon thé va être froid. Et ensuite, donc, on va finir pour le bon petit plan. Donc, du mois de juin. Donc, ce matin, je suis allée à Carrefour. Et donc, je l'ai vu sur Instagram. J'ai vu sur Instagram ceci, donc sur le magazine Public. Donc, c'est deux magazines. Donc, en l'occurrence, sur le magazine Public, vous aviez un body blender de la marque Lollipop à 5,45 € et non 3,95 €. Ne vous faites pas avoir parce que 3,95 € c'est le prix de l'article qui est en plus dans le magazine. Voilà, qu'on rajoute dans le magazine. Donc, le magazine, je vais vous le montrer. Hein. Donc, le magazine, voilà. Je le lirai ce soir, Public. Ça me fait rire. J'aime pas trop. Je suis pas une grosse. Quelqu'un qui lit énormément. Ni qui aime lire les trucs people. Si, quand j'étais jeune, oui. Maintenant, je m'en fous un peu des stars avec qui elles sont. Pierre Paul Jacques, j'en ai rien à faire. Et donc là, vous aviez donc le petit. Voilà. Donc le magazine fait 1 euro ou 2 euros. Et donc en plus, ce mois-ci, il y avait donc le body blender de Lollipop. Et donc je l'ai pris parce que je voulais voir la différence entre ceux de chez AliExpress. Parce que je n'ai que ceux d'AliExpress. Donc le kit, il est comme ceci. Donc, je ne sais pas combien coûte ce kit. En réalité, je regarderai, hein, Lollipops, combien coûte en réalité ce kit. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Je ne sais pas. Puisqu'ils disent que ça a la valeur de 3,95 € en plus dans votre magazine. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut vraiment 3,95 € de la marque Lollipop. Donc déjà, je vais voir la différence entre
celui de chez AliExpress. Donc voici comment il est. Je n'avais pas le choix, il n'a resté qu'un. Et ils sont beaucoup plus durs. Ouais. Ceux de chez AliExpress, j'en ai un là, je crois qu'il est sale. Tant pis, il est sale, mais bon, je vais quand même faire la différence. Ouais, il est un peu plus dur. Il est un peu plus dur. Ouais, il est plus dur. Le sol d'AliExpress est beaucoup plus mou. Ouais, c'est un peu plus. Il est un peu plus dur. Voilà, donc rose. Et ensuite, vous aviez donc un petit pinceau comme ceci. Donc, je vous en avais présenté un de chez AliExpress aussi comme ceci. Et voilà, mais c'est beaucoup plus dur. Je trouve que c'est un peu plus dur. Et voilà, il y a écrit Lollipops Paris. Voilà, donc ça, vous le retrouvez donc dans le magazine du mois de mai, donc dans le public. Ça a été affiché sur Instagram, de toute façon, ça a été affiché sur Instagram. Je l'ai vu. Donc voilà. Et donc ensuite, le deuxième magazine, par contre, ça, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu ce matin, donc je l'ai acheté. Donc sur Closer du mois de ce mois-ci, du mois de juin. Voilà, du 11 juin. Donc il est sorti le 11 juin. Dans le Closer, vous aviez donc un gloss de la marque Essence. Donc oui, pour toutes celles qui me suivent, elles vont dire, ma tante, elle n'aime pas le gloss. Oui, je n'aime pas le gloss, mais j'aime beaucoup la marque Essence. Voilà. J'ai eu pas mal de petits articles dans la Glossy Box de chez Essence, en l'occurrence la petite palette. Et donc, la poudre bronzer de chez Essence. Et voilà, je trouve que cette marque est super, elle est pas chère. Et donc, une très très bonne pigmentation. Aujourd'hui, j'ai mis la poudre qu'on a eue, qui sent la noix de coco avec le palmier de chez Essence, dans la Glossy Box du mois de juin. Et je trouve que les produits sont plutôt pas mal. Donc, voilà, le closer du mois de juin. Donc, il y a Loana. Il y a Jean du Jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Shakira. Shakira Piqué. Dernier repos avant l'euro. Voilà. Et ensuite, il y a une interview sur la fille cachée de Loana. Voilà. Donc, elle aurait eu une fille. Voilà. Et donc, le gloss. Alors, vous en avez plusieurs couleurs de gloss. Vous aviez donc le gloss argenté, un peu rouge. Alors, l'argenté, c'est le Frosty Flake. Je suis une quiche. Le Jewel in the Bottle, le un peu rouge. Et moi, j'ai pris le Pink Galaxy. Voilà. Je voulais changer un petit peu. Et voilà, je me suis dit, bon, l'été arrive. Je vais pas amener en vacances tout mon maquillage. Et je le trouvais super sympa. Alors, je trouvais que le packaging était super sympa. Et apparemment, ce gloss est d'une valeur de 1,95 €. Donc j'essaierai de retrouver chez Essence et je vous marquerai bien sûr ici le tarif si voilà ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Voilà, et donc nous allons le tester. Il sent super bon. Et ouais. C'est vraiment un gloss quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est là. Et vous allez rien voir du tout. C'est super, j'adore. Il est vraiment très 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 light. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez les reflets. Voilà, vous voyez les reflets un peu. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Il sent super bon, voilà. Donc voilà, moi j'ai pas énormément de gloss, vous savez que les effets gloss je n'aime pas, mais ça peut être très sympa l'été, mettre juste un coup de gloss, bien bronzé, ou même ma fille si elle veut en mettre, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour donc mes achats chez Maxilo et donc les deux petits bons plans du mois de juin. Vous savez où me retrouver? Voilà, sur Instagram, bien sûr, le petit icône, suivez-moi sur YouTube
et pensez donc à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de pouvoir me suivre sur toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai au mieux et surtout, je réponds à des questions ou des commentaires qui sont polis et cordiaux. Ensuite, les commentaires qui sont bêtes et méchants, et là, et, comment dire, bêtes, méchants et faciles à faire. Je réponds même pas et tout dépend comment est le commentaire, je le supprime directement. Voilà, cependant, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très très rapidement pour d'autres vidéos. Voilà, je risquerai d'être absente un petit moment parce que j'ai des petits problèmes de santé. J'ai fait ma prise de sang ce matin. Elle n'est pas bonne, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, donc si je venais à être absente pendant un petit moment. Voilà, donc j'ai des rendez-vous qui vont s'enchaîner courant juillet, août. Bon, juillet, je m'en vais en vacances. Donc je tiens à vous avertir que peut-être pendant quelque temps, il y aura beaucoup moins de vidéos, raison médicale, santé et raison aussi que je pars en vacances, c'est les vacances du mois de juillet. Et voilà, donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très vite et portez-vous bien.